C'est un gamin qui a 16 ans, voilà, il est sur le bon traitement. Une lésion au mollet suite à un choc avec un coéquipier. Et que Marco Verratti pourrait déclarer forfait pour le quart de finale face à l'Atalanta Bergame. Pour ça, on peut seulement décider dans le dernier moment. Entrer avec Mathias, qui va nous proposer également. Regardez les petites têtes là, qui sont en train de s'échauffer. Il y a des gamins de 15 et 16 ans qui ont été amenés au Parc des Princes par Thomas Tourelle. Ouais. Il y en a qui vont entrer en jeu. Ouais. Il s'appelle Étienne, qui a 14 ans et qui joue aussi au Paris Saint-Germain. Le petit Édouard Michou. Margot. Julian Draxler et donc. Alors c'est pas moi, mais bon. Comme quoi, quand même. Comme quoi, on a un bon centre de formation. Et 15. Ouais, mais c'est un Golgoth. Hein. Il fait un 1m80. Chiabou. Une bonne passe. Mon ballon sur Xavi Simons. Allez, contrôle un peu. Il est néerlandais, ouais. Petit Xavi Simons. Il a été pas mal régalé de pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes. Je te vois, hein. Xavi Simons. Oula, les résultats, ils sont là pour se régaler et. Frappé par Xavi Simons. Peut-être plus facile de donner de l'intérieur du pied. Gay. Xavi Simons. Pour la Ligue des Champions, pour déterminer le titre de champion d'Europe de cette saison 2019-2020, saison bien singulière. Une équipe du PSG qui a terminé avec des gamins de 15 et 16 ans, la face au FC Sochaux-Montbéliard.